Bonjour à tous, nous sommes en direct du lycée de la mer de Biganos. Cette année, nous relevons de nombreux records de température sur Terre et dans les océans. Nous avons interrogé des personnes sur ce phénomène. Merci Julie. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous connaissons votre engagement sur les problèmes du réchauffement climatique. Biganos est proche de l'océan. Pensez-vous que la température de l'océan a un rôle sur ce réchauffement? Oui. L'influence des températures qui sont de plus en plus élevées entraîne des coups de vent ou des tempêtes, voire des tornades, qui aujourd'hui nous entraînent des submersions marines. Et nous avons constaté, avec des événements récents, où l'océan entraîne le bassin d'Arcachon et crée des submersions marines. Or, nous, le bassin d'Arcachon, avec Biganos, qui est au fond du bassin, nous risquons, et ça a été donné par les scientifiques, 1 mètre, 1,50 m de submersion marine, ce qui est très important pour notre commune et notamment pour ses habitants. Donc nous sommes très inquiets. Merci Monsieur le maire pour votre explication. Nous avons bien compris que si l'océan se réchauffe, son niveau augmentera et nous risquerons la submersion. Mais en quoi la température de l'océan peut-elle augmenter? Nous avons posé cette question à des élèves du lycée. Je crois que si les océans se réchauffent, il y aura plus de CO2 dans l'atmosphère. C'est vrai, puisque quand la température de l'atmosphère augmente, cela influence donc sur la température des océans, qui va augmenter également. Et donc, si j'ai bien compris, quand l'eau est plus chaude, le CO2 se dissout moins dans l'océan et il en reste plus dans l'atmosphère. Pour comprendre ce phénomène complexe, je suis allée voir nos experts qui ont mis au point une modélisation. Notre problématique est de montrer que la solubilité du CO2 varie avec la température de l'eau. Pour cela, nous allons réaliser une modélisation. Nous avons à notre disposition une éprouvette pleine d'eau retournée sur un cristallisoire également plein d'eau qui permettra de visualiser le dégagement de CO2. Une canette d'eau gazéifiée représentant l'océan. Elle a été ouverte 30 minutes avant le début de l'expérience pour que le CO2 de l'air de la canette soit évacué et ne fausse pas notre résultat. Nous ne voulons mesurer que le CO2 dissous dans l'eau de l'eau gazéifiée. Un Büchner dans lequel nous allons verser l'eau gazéifiée. Cette modélisation sera réalisée à 3 températures différentes, 10 degrés, 19 degrés et 27 degrés. Voici notre résultat pour une température de 10 degrés. Voici notre résultat pour une température de 19 degrés. Voici notre résultat pour une température de 27 degrés. Nous voyons bien que plus la température de l'eau est élevée, moins le dioxyde de carbone se dissout dedans. Laissons la place à notre experte de l'atmosphère pour faire le lien entre cette modélisation et le réchauffement climatique lié à la température de l'océan. Notre planète reçoit principalement de l'énergie du rayonnement solaire. Une partie de cette énergie est renvoyée au-delà de l'atmosphère, mais l'essentiel est capté par la Terre. Or, l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère provoque une augmentation de chaleur. Comme l'océan absorbe plus de 90% de l'excès de cette chaleur, sa température augmente, entraînant une diminution de la solubilité du CO2. Il reste donc une plus grande quantité de CO2 dans l'atmosphère, ce qui accentue encore plus le réchauffement. Merci aux experts. On peut maintenant se demander comment limiter le réchauffement climatique. On peut par exemple multiplier les énergies vertes. Merci de votre attention. On se retrouve demain et bonne fin de journée à tous.